on a une perturbation costaud, avec deux fronts d'ailleurs qui sont arrivés accompagnés de pluies. Alors déjà des bonnes pluies qui sont en train de se décaler, d'autres qui arrivent à nouveau, mais c'est surtout du vent dont on va se méfier. Donc ces 26 départements sur le nord et le sud-ouest sont en vigilance, certainement jusqu'à 22h. Forte rafale de vent, donc certainement du Cotentin, ça a commencé à souffler, vous l'avez vu dans le journal, jusqu'à la Meuse, et puis des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Haute-Garonne, et donc la Vendée, ainsi que les Deux-Sèvres sont en vigilance pluie. Voici la carte de cet après-midi. Donc méfiance, des rafales jusqu'à 120, voire plus sur les côtes de la Manche, 110 sur la façade atlantique, même 100 à 110 à l'intérieur des terres, donc ces vents qui vont se décaler progressivement, avec de la pluie, surtout de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes. Vous remarquez la neige à haute altitude, mais la limite pluie-neige va baisser dans la soirée et dans la nuit prochaine sur les Alpes, et puis à l'arrière, beaucoup d'instabilité aussi. Alors, côté température, c'est toujours de la douceur hein, dans le sud, 20 degrés pour Tarbes, mais petit à petit, on a de l'air beaucoup plus frais qui arrive, pas plus de 8 degrés, par exemple, cet après-midi à Brest et à Cherbourg. Alors, demain matin, encore beaucoup d'agitation, une traîne très active sur la façade atlantique, près des côtes de la Manche, jusqu'au Massif central, avec, vous le voyez, de la neige l'après-midi aussi sur les reliefs de l'Est. L'après-midi, ça ne change pas beaucoup, ça se bloque sur les Pyrénées, puis l'instabilité aussi sur la Corse avec du vent près de la Méditerranée. Les températures pour demain matin, on devrait aller jusqu'à 12 degrés à Nice, et dans l'après-midi, température qui baisse, évidemment, mais quand même 16 degrés toujours pour les Niçois. Petit coup d'œil sur notre week-end, avec samedi beaucoup d'instabilité sur les régions de l'Ouest, et puis dimanche, ça se passe de commentaires, arrivée d'une perturbation avec de la pluie et du vent. On en reparle ce soir.